À l'extérieur, il précède encore côté corde le numéro 5,
C'est Bernie Crew et Thierry Duval-Destin avec à sa hauteur Vivaldi Dorval. Alors on tente de progresser à cet instant avec Philippe Forger, numéro 2, Vasco Wind, qui progresse vivement à mi-ligne opposée. Les choses sérieuses qui commencent avec là, ce qui a toujours l'avantage, c'est Vito du Cap-Vert, Laurent Lebourgeois. Dans son sillage, c'est le 7 de Vampe, avec le 5 qui se dégage de la corde. Maintenant, Verdi Croué, Thierry Duval-Destin. On poursuit sa progression également avec Viva Sweet, le numéro 2, le numéro également 10 Volcan Cash qui tente de progresser plutôt côté corde. On se dirige vers le dernier tournant avec là, ce Vito du Cap-Vert, Laurent Lebourgeois qui a toujours le meilleur. Le 7 Vampe est deuxième dans son sillage, le numéro. Vasco Wing de Philippe Forger qui vient également tout près avec un peu de poids, le 5 Verdi Croué avec également à l'extérieur un bel effort pour le numéro 8, c'est Voyelle de Crène avec le numéro 1 Vito du Cap-Vert qui va tenter de le faire de bout en bout, mais on vient vite à cet instant avec le numéro 3 Vasco Wing Philippe Forger qui poursuit sa progression, le 7 Vente plonge côté corde avec Verdi Croué qui tente de qualité pour les premières places avec le numéro qui dégage également plutôt côté corde. Avec le numéro 8 du Cap-Vert, le bourgeois qui tente de contrer les attaques, le numéro 5, Verdi Croué avec le 8 Voyelle de Crène, et puis tout à l'extérieur le 10 Volcan Cash, avec l'As Vito du Cap-Vert qui est attaqué, débordé par le numéro 5, Verdi Croué, le meilleur, Verdi Croué le 5 qui va s'imposer, la deuxième place pour l'As Vito du Cap-Vert, la troisième place pour le 8 Voyelle de Crène, la quatrième place pour le 10 Volcan Cash, la cinquième pour le 9. Avec à sa hauteur également bien placé le numéro 8, le numéro 9, pardon, Time Out. On dirige vers le premier tour avec le 6 CMA Castel le meilleur dans son sillage. Troll de l'As, Richissi Pita, Nélo Pita Valérine, avec bien placé également à l'extérieur des animateurs le numéro 9, Time Out. On vient en quatrième position, plutôt comme décor, avec le numéro 4, Yalto Cerise, le 7 Tivoli Dmitri et Pierre Christian Lamp de Trott en 5e position et précède encore Côte des Corps, le numéro 2, c'est Yordala, avec également un effort à l'extérieur, celui du numéro 4, Rigalto Cerise, et du 5, Starter Magique. On sort les premiers tournants, c'est toujours le 6 CMA et Antoine Mérité qui ont le meilleur, avec dans leur sillage là, Régissi Pita, on a tout près le numéro 9, Time Out. En bon rang également, on reconnaît le numéro 4, c'est Rialto Cerise, avec dans son sillage le numéro 7, Timothy Dimitri, le fils de Jean-Henri France, qui trotte en 5-6e position, avec à sa hauteur le numéro 5, Starter Magique, le Clément Adouan, alors qu'on est très attardé avec le 14 qui a rompu en ville et qu'on est loin également avec l'un des concurrents, c'est le numéro 5. Les choses sérieuses commencent avec le numéro 6 de Sierra qui repart sous l'attaque du 4 Yalto Cerise. Quick Raymond, la Kazakh, le Roger Jordel qui vient de plus en plus vite tout à l'extérieur avec Charlie Montier. On a un bel effort également celui du numéro 11 de Taoudiel. Les choses sérieuses commencent, la dernière ligne droite avec le numéro 6 de Sierra attaqué à son extérieur par le numéro 7 Quick Raymond avec tout à l'extérieur également. Ben disons, j'ai... Et c'est parti pour la 7e épreuve du jour avec un bon départ pour le 5 Hugues Lachaine et on est bien parti également à son extérieur avec Arnaud Zirmé et le numéro 4 Umbratica. Bon départ également à mettre à l'actif du numéro 8 Udine de Lady au 25 mètres. On s'est très bien délancé avec Michael Baron et le numéro 12 Uri des Haies. En revanche, on rétrograde à cet instant sur faute avec. Ah, j'ai qualifié le 13. Le numéro 13, on a également perdu le 2 avec le numéro 2 qui est d'ailleurs disqualifié. Les concurrents qui dirigent vers le premier tournant avec Udine de Lady. On vient à sa hauteur maintenant avec André Le Courtois et le numéro 3 Urfé des Bois. En troisième position, plutôt côté corde, on reconnaît là ce Utilus, talonné par le 5 Yudo Lachaîné, alors que Umbratica, le 4, patiente quant à elle sur un troisième rideau avec côté corde également le 6 Ulf du Liéphare. On sort du premier tournant avec le numéro 8 Udine de Lady qui a le meilleur, accompagné à son extérieur par le numéro 3 Urfé des Bois. Dans leur sillage, on patiente toujours avec l'As Utilus, avec le 5 Youk Lachaîné. On vient ensuite avec le 4 Umbratica et Arnaud Zirmé, avec Ulf du Liéphare. Au sein du peloton, on reconnaît également Uridé et le 13, avec à sa hauteur le numéro 7 Usnel Burgoise, la Kazakh de Patrice Sartre.
On va passer devant les tribunes, un peloton bien coupé, pas de changement pour l'enfant, avec une ligne de l'équipe à le numéro 8 qui contrôle les opérations, s'encaisse en extérieur du numéro 3, qui en fait des bois, le train a tout lâché les attitudes patientes dans leur triage, et précède encore le numéro 4, Soupratica, un petit peu tendu avec côté des cordes, 6 sulfes du départ, on ferme la marche du peloton pour le moment avec le numéro 15, Dresda Will. Le 8 Udine de Lady et le 3 leur fait des points de première place. La Sutilus et le 5 ont caché les patients dans leur sillage et précède encore le 6 Sulfe du Yéphare. Le numéro 4 Umbratica avec au sein du peloton Michael Baron et le 13 Uridé accompagné à son extérieur par le numéro 7 Ustel Buroise. Toujours pas d'attaque, on passe une dernière fois en face avec le numéro 8 Udine de Lady et le 3 leur fait des bois qui sont toujours de première place dans leur sillage. La Sutilus et le 5 qui ont lâché des patientes avec un peu plus loin le 4 Umbratica et le 6 Sulfe du Liéphare. Alors, elle leur fait des bois maintenant qui tente de déborder Udine de Lady, la pensionnaire d'André Courtois qui est pour le moment contré. Ces deux concurrents qui s'expliquent en léger retrait, on a toujours là Sutilus et le 5, Yuga Chenet qui sont bien placés et qui précèdent encore le 6, Ulfe du Liéphare et le numéro 4, Umbratica. Alors, contente à cet instant de quitter les derniers avec le numéro 9, un amour de femme. Le dernier tour là, avec une belle lutte toujours en tête entre le 8 Udine de Lady et le 3 et en fait des bois. Le 3 en fait des bois qui semble-t-il prend le meilleur à cet instant sur le 8 Udine de Lady. Le 3 fait des bois qui se rabat en tête dans le dernier tournant, qui tente de se détacher du 8 Udine de Lady qui reste deuxième. En retrait, on a toujours le 9, un amour de femme qui poursuit sa progression avec également le 5 Yuga Chenet, le 4 Umbratica vient un peu plus loin. On tente de résister côté corde avec la Sutilus. On va pénétrer dans la dernière ligne droite avec le numéro 3 leur fait des bois, André Le Courtois qui va tenter de remporter un doublé aujourd'hui en tant qu'entraîneur, 4 toujours le meilleur. Le 9 en amour de femme finit bien en retrait avec également côté corde la Sutilus avec Yuga Chenet, le 5 Umbratica tout à l'extérieur. On a également la Kazakh que les mecs, c'est 11 et joue tout avec le numéro 3 leur fait des bois qui a toujours le meilleur, André Le Courtois avec également qui revient le plus ridé à tout à l'extérieur à Youdou avec le numéro 3 leur fait des bois, André Le Courtois qui va tenter de résister jusqu'au jour au 4 et puis au 12 également à tout finir sur ridé tout à la fin. Michael Baron qui s'appelle-t-il va ajuster le 3 leur fait des bois, le numéro 4 Umbratica avec le 6 ça passe mal qu'à l'égard qui est déjà relayé à cet instant par Touch Green. Touch Green le numéro 10 qui après un départ volant en second échelon et le favori s'installe tête des corps pour entrer au premier tour. Alors le 10 Touch Green calmé dans le 6 ça passe mal le suit. On est également bien passé tout près à le numéro 7, Thias Poussière et Arnaud Roussin qui vient à l'extérieur de l'animateur. On connaît un peu plus loin le numéro 5, Tennessee TB, avec également bien placé le numéro 2, Squadrateur. On va sortir du premier tournant avec le 10 Touch Green et le 7, Thias Poussière en deux premières places. On se rapproche également avec le numéro 16, Simon Doumbé et Julien Corbille qui vient intégrer le groupe de tête et qui vient à la hauteur du pensionnaire de visite de la cour, le 10 Touch Green. Le 10 et le 16 aux deux premières places, qui a touché en recentre, est toujours bien placé également le numéro 7, avec côté corps les numéros 6, Sapin-Ban. Et ensuite le numéro 2, Squadrator, avec également Space Cocon, qui passant dans 3, 4 et moins de côté corps. Alors qu'on porte pour SF, son tour avec le numéro 9, Suzette, de Brayouin, en vrai, au comptoir. Avec un petit plaisir de l'arrivée, le 10 Touchway qui est rejoint à son extérieur par le 9, le Suzette, de Brayouin, le plus de concurrents qui sont suivis près par le 16. Avec un bel effort également à l'extérieur de la Kazakh de France, Jean-Marc, sur le 15, sa présence, et Patrick Sibarowski qui vient aux avant-postes. Beaucoup de relais dans cette épreuve. Les concurrents du second échelon qui sont aux avant-postes, avec le numéro 10 Touch Green qui tente de répondre à l'attaque du 15, sa présence. Voilà, on fait un tout vite. On accélère à cet instant. Touch Green, sa présence, qui se livre déjà un bon duel. C'est deux concurrents qui se détachent du numéro 10, sa part pas des 19. De Brayman, le 16 Sion Jouz, et ensuite avec le 5 Tennessee TV. Arrêtez de vous battre, le Rayman, côté corps avec Touch Rain et Armin qui plaît à l'attaque de Patrick Sibarowski du 15. Sa présence, le 9, le 6 de Brayman est maintenant 3ème. Et précède encore le 16 Sion Jouz, le 6 de Brayman et le 5 Tennessee TV. On y arrive vers le dernier tournant avec deux concurrents qui font un très gros effort. Si Touch Rain est à présent, c'est Sion qui ne peut peut-être pas dans la mode finale. En retrait, on a également Sion Jouz qui est bien placé dans le siège des animateurs avec à sa hauteur le 9. Suzette Lebrun, le numéro 5, Tennessee TV, le 7, 4 poussières, et ensuite, avec le 6, la pantalon et les autres squadrateurs. Le dernier tournant en vue, avec le numéro 10, Todd Briggs, en tête depuis le départ, qui est toujours attaqué à son extérieur par le 15, sa présence, ses deux concurrents qui sont partis à la culotte par le 7 qui ont dû oublier le 9, Suzette Lebrun, et ensuite le numéro 5, Tennessee TV, le 7, 4 poussières. On est bientôt à la sortie du dernier tournant, avec toujours la même lutte en tête entre le 6, Todd Briggs et le 15, sa présence. On se décale maintenant avec le numéro 9, le 6 de Brayman, André Le Courtois qui vient attaquer les animateurs en perte de
musical est d'accord avec le 16 Dion Yuvé. La phase finale avec le 19 Faye attaqué par le 9 Suzette Wyvern avec les gamins Dion Yuvé. Qui finit vite son décor avec le 16 Dion Yuvé. Suzette Wyvern et Sun Faye donc prise. Avec le numéro 7 Dion Yuvé. Thank you.